Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Lily Cuisine. Pour aujourd'hui, on va faire du poulet asiatique. On va réaliser une sauce. On aura besoin de sauce soja, du vinaigre de riz, du bouillon de volaille, de l'huile de sésame grillée, du sel, un peu de fécule de maïs, du paprika, de l'ail, du gingembre, du piment et du sucre. On va réaliser un caramel, on aura besoin du sucre et de l'eau. On aura besoin de poulet, donc là je les ai coupés en cubes. Les morceaux de poulet, on va devoir les passer dans de la farine et on aura besoin d'un petit peu d'huile de friture pour pouvoir les faire frire un petit peu. Et on aura besoin aussi d'oignons. Alors tout d'abord, on va commencer par notre petite sauce. On va mettre tous les liquides ensemble. Vinaigre de riz, sauce soja, le bouillon de volaille, l'huile de sésame grillée. Et ensuite, on va ajouter les poudres. On mélange déjà ceci. On ajoute l'ail. Et pour le moment, on réserve ceci de côté. On va passer au caramel. Dans une casserole, on va mettre le sucre et l'eau. Pendant ce temps, on va mettre notre poulet dans la farine et enrober tous nos morceaux de poulet de farine. On se met sur un feu doux pour faire notre caramel. Et là, je viens mettre tous les cubes de poulet dans la farine. Mon caramel commence à avoir une belle coloration. On va incorporer tout doucement notre sauce. On fait gaffe aux projections. On va bien cuire ça tranquillement. On ajoute la fécule de maïs. Voilà, la sauce est prête. On réserve de côté. Dans ma poêle, j'ai mis de l'huile de friture. Et maintenant, je vais venir cuire mes dés de poulet. Quand les morceaux de poulet sont cuits, on vient les retirer et les mettre sur du papier absorbant. Puis dans l'huile qui reste, on va faire frire nos oignons. Quand les oignons sont cuits, on va remettre
les morceaux de poulet. On mélange ceci pendant une minute. Et pour finir, on vient ajouter notre sauce. On enrobe bien tout le poulet de la sauce. On va laisser cuire 2-3 minutes. Voilà, quand c'est prêt, il ne reste plus qu'à placer sur un plat. Voilà. Je vous souhaite un bon appétit. À bientôt.